Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un petit peu tranquillou, en strikeout. On va partir en strikeout. Et aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo où je vais prendre un petit peu trois persos. Déjà, vous avez. Enfin, je vais juste après. En gros, j'ai envie de faire une petite série en mode. Je crois que à tous les coups, il y a déjà Lucian qui l'a fait, mais. En mode, je fais des strikeouts avec trois persos à peu près dans le même délire. Donc là, je pense que je vais prendre trois persos style un peu de ninja, tu vois. Dans les ninjas, on a qui? On a Hattori, Koji et Jiro. Je les ai repérés un petit peu avant de faire la vidéo, t'as capté. Genre du coup je pense qu'on va faire un petit peu des trucs comme ça, donc là on va faire une petite vidéo ninja tu vois. Genre si vous avez d'autres idées que je pourrais faire, genre par exemple je sais pas, je crois il y a des persos animaux genre Ragnir, Theros et tout. Si vous avez d'autres idées de combinaisons strikeout comme ça, donnez-les moi en commentaire. Comme ça ça pourrait faire une petite série sympa tu vois. Même si je sais pas si ça a déjà été fait. Bon on s'en fout hein. On s'en fout. Vas-y. On part sur ça. Je pense que là je vais garder la petite compo et je pense que si jamais je. Admettons que je tristock ou two-stock le mec, je vais inverser l'ordre des personnages pour pouvoir jouer. Là par exemple je joue en premier Koji. Si jamais si jamais je suis trop fort, tu vois. Bah je changerai l'ordre pour commencer par Hattori par exemple. Là par exemple, tu vois, ça démarre plutôt. Qu'est-ce qu'il fait? Viens là mon grand. Je vais arrêter de faire le combo complet parce qu'il arrive pas à l'esquiver. Je vais arrêter de faire le combo complet, il arrive pas à l'esquiver le pauvre. Oh non c'est drôle. Sinon. Ah j'ai une idée de. Je viens d'avoir une idée de série que je pourrais faire. Ça serait genre un truc en mode. Je me rends compte de ça parce que, comme là je gérais le mec, j'étais en train de me dire que je pourrais peut-être me suicider. Genre, on pourrait faire un truc en mode. Peut-être que je fais ça. Non, je sais pas. En mode. À chaque fois. Genre, je combats un mec et à chaque fois qu'il meurt, bah, je me suicide aussi. Du coup, ça va être. Je vais être obligé de gérer parce que, en gros, genre, si jamais il a deux vies et que j'ai qu'une vie, si je le tue, je me suicide et j'ai perdu en fait. Je sais pas si vous comprenez un peu le délire. Admettons que je tristock ou two-stock le mec. Pff, allez, premier H-kit. C'est quoi ça? Pourquoi je. Bon bah tant pis, hein, ça part sur un premier H-kit. Hein. On va se retrouver pour la prochaine vidéo parce que là ça va pas être intéressant de jouer contre un autre. Ok, c'est part pour la deuxième game, on va changer l'ordre, on va commencer par Jiro, ensuite Hattori, on va mettre Koji en dernier. Bon la première game je pensais pas que j'allais faire rage kit, je pensais pas que ça se passerait comme ça. Je suis trop chaud ma foi, je suis beaucoup trop chaud au jeu, j'ai plus rien, je déconne. Ok alors lui la vie de ma mère, lui il traîne le canon, lui c'est sûr. Sidra le canon, Xul le canon, Isaiah le canon, c'est sûr il traîne le canon frère. Voilà, il a l'air d'être actif en plus. Oh j'ai tenté des. Je tente un petit peu des nouveaux combos aussi hein, parce que je me sers d'un petit peu des vidéos comme ça pour tenter. Oula oh, qu'est-ce qui se passe? Je vais reprendre l'épée, je vais être plus à l'aise. Ma punish. Oh là l'erreur, elle va m'apprendre. Oh là là, je pensais qu'elle me punirait fois 1000, elle m'a pas puni. Enfin, du moins pas comme je le pensais. Bien joué ça. Oh wow. Elle joue canon mais elle le gère, hein. Comment je vais la brain? Comment est-ce que je vais la brain? Elle me laisse pas beaucoup de frame, elle me laisse pas beaucoup d'ouverture. Hein. Bah, elle est morte.
Elle laisse pas beaucoup d'ouverture, du coup c'est un peu galère. Là par contre elle joue Gzul. Et moi j'ai Atori, du coup ça va être Tandax. Hein. Oups, super. Déjà si je fais pas l'attaque que je veux. Comme ça peut-être qu'on va l'avoir. Ah c'est stylé. Ouf, ça, ça me marre, ça, ça c'est prioritaire, ça. Zer! Ça, ça passe pas, mon pote. Tu meurs, oui? Allez, viens là, mon grand, viens là. Viens là. Et la punish, le punish, évidemment, bah ouais, gros, tu fais une recovery, bah j'ai pas une seconde, tu comprends. Bien joué, en tout cas ça a été propre. Et en plus en prime on a un petit spammer. Ah non, j'aime trop. Ok, on va faire du coup une dernière game qui j'ai pas joué, j'ai joué tous les persos, du coup ce que je propose, c'est que cette fois-ci, je vais juste changer l'ordre et prendre Atori en premier. Koji en deuxième. Et Jiro en troisième. C'est parti. Je pense que je vais faire juste ma dernière game comme ça. Ok, re. Donc là, ça va être tendu. Pourquoi? Parce que les persos un peu ninja, un peu comme j'utilise. Je suis en bas orange, c'est normal. Non, c'est bon ça. Les persos comme ninja, comme ça, tu vois. Ont tendance à pas avoir beaucoup de résistance. Et lui joue full H. Qu'est-ce qu'il fait? Comment il joue? Il joue, il attend. Qu'est-ce qu'il veut? Ah là là, c'est beaucoup trop drôle. Sois meilleur, s'il te plaît. Oh, j'ai fait une down. Ça, c'est dangereux, mon grand. Évitez de faire des gravissiers quand vous êtes dans le vide. Soit vous le faites parce que vous êtes sûr que ça va passer, soit vous le faites pas parce que ça va se faire punir fois 1000. Oula, celle-là, j'ai esquivé de pas grand-chose, con. C'est sûr, depuis tout à l'heure, quand il jette son arme, il va la récupérer. Et bah, j'étais sûr qu'il allait la récupérer. Oh non! Non! Oh, la dernière game, elle était nulle. Enfin, la dernière vie, elle était nulle. Bien joué à lui. Je pense qu'on va faire une petite dernière parce qu'elle était vraiment rapide, celle-là. Je verrai en fonction du temps. Ok, là on a un petit peu de notre niveau, enfin pas de notre niveau, mais genre de notre gamme de résistance et de puissance d'attaque. Comment ça, madame, elle a pas touché? Ah, mais ça, gros. Ça a jamais sauvé personne. Hein. Ah, ça, c'était risqué de sa part. J'ai bien puni, par contre, j'ai bien puni. On retient ça. Petit combo de départ, comme ça. Ah, j'ai pas. J'ai voulu récupérer mon arme, mais j'ai pas réussi.
Comment elle joue? Oh, je l'ai raté. Si j'avais réussi à passer la dame. Mais quoi, Mirage Kid, c'est le deuxième. Arrêtez, s'il vous plaît. Bon, bah, je vais finir la game et puis on va s'arrêter là, je crois. Ok, super, c'est la fin de la game. Pourquoi ils rage quittent tous aussi, là, c'est trop. Alors, attends, on va résumer. Deux rage quittent, un mec qui nous traite de spammer. Arrêtez, arrêtez. Putain, c'est... Je connais pas le niveau. Si quelqu'un sait, d'ailleurs, il pourrait peut-être me le dire. Mais genre, je sais pas comment il fait le matchmaking pour tout ce qui est strikeout et comment ça s'appelle. Et expérimental. Parce que tu tombes pas forcément contre des mecs de ton niveau. Et genre, je sais qu'en expérimental, j'ai un peu commencé à check un petit peu les ranks à chaque fois que je tombais contre des mecs. Soit je tombais contre des mecs qui avaient 1700 elo, donc des low plates. Soit je tombais contre des mecs qui avaient 2200 voire 300 elo. Et genre, c'est tellement... Genre, moi je suis à 2000, tu vois. Pourquoi je tombe pas contre des mecs à 2000? Et c'est... Je comprends pas trop comment il fait le matchmaking au niveau d'expérimental, les strikeouts et tout. Donc, si d'ailleurs quelqu'un le sait, je suis ultra chaud de savoir si je suis ultra chaud pour me l'expliquer en commentaire. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, même si bon, les games étaient pas forcément dingues, c'était un petit peu rigolo. Et on va se retrouver bientôt pour une nouvelle vidéo. Je suis content d'avoir pu la tourner parce que je laguais à mort et j'ai vraiment. Il y a 10 minutes, juste avant de commencer la vidéo, j'ai fait un message sur le Discord pour dire qu'il y aura pas de vidéo le jour où sortira cela. Justement parce que je laguais trop. Donc je suis assez content d'avoir pu la tourner. J'ai réussi à choper les petites 15 minutes sans live. Bon, allez, moi je vous laisse. Et sur ce, passez une bonne journée, bonne soirée, tout ce que vous voulez. Et tchuss, à la prochaine.